Franchement, là, c'est le bazar et tout à côté de moi. Pour prendre les sables, ça va être la galère, mais c'est pas. C'est une. Comment dire? J'ai un trou de mémoire. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve enfin, enfin, enfin pour ce haul tant attendu, tant demandé, tout ça. En plus, je vous en ai parlé. Mais bref, vous connaissez ma vie, vous connaissez mes histoires, mes galères. À chaque fois que je recevais un colis, je me disais, ah oui, mais il y en a un autre, et le temps qu'il arrive et tout, ça nous amène aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on fait ce haul, enfin, c'est parti, let's go. Du coup, on a plusieurs marques. J'ai fait différentes commandes chez différents sites internet. On a du Gymshark, on a du ASOS, on a du Zara. Et on a du Copacabana Fit. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti, let's go. On va commencer par Gymshark. Donc chez Gymshark, j'ai commandé beaucoup de choses. Comme d'hab, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je suis fan des leggings Gymshark. Voilà. Donc on commence par ce legging-là. Donc voilà, en bleu. Je l'avais déjà en noir, mais je l'ai racheté en bleu. Je l'adore ce legging. De toute façon, je vais vous faire un haul try-on, donc il y aura tous les extraits de moi qui porte les vêtements, comme ça c'est plus simple, vous verrez mieux et vous verrez ce que ça donne porté. Donc voilà, celui-là, il est super beau, je l'adore. Comme je vous l'ai dit, je l'ai en noir et moi je suis fan des leggings Gymshark parce qu'ils sont super épais, super extensibles et ça pour faire le leg day, c'est trop bien. Franchement, je les adore ces leggings. Celui-là, il a une petite particularité, c'est qu'il a une petite rainure ici, je ne sais pas si on voit bien, au niveau des fesses. Comme ça, en fait, ça vous fait un beau fessier. Clairement, c'est fait pour mettre en valeur les courbes. C'est ça que j'aime bien aussi avec les leggings Gymshark, c'est qu'en plus d'être beau, c'est des beaux modèles, c'est confort et en plus, même si c'est une couleur claire pour celle-ci, par exemple, bah, c'est un squat proof, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez faire les jambes, ça va vous mettre en valeur, vous serez bien dedans et franchement, bah, je valide, j'adore celui-là. Ensuite, chez Gymshark, j'ai repris un autre legging, du coup, je sais plus le nom de la collection, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tout ça, les prix, etc. parce qu'honnêtement, je m'en souviens plus. Donc voilà, j'ai pris celui-ci qui est un peu gris clair, voire qui tire au beige. Je ne l'avais jamais acheté, enfin je n'avais acheté aucun legging de cette collection-là. Honnêtement, il est très bien, j'aime beaucoup parce qu'en fait il est très fin comparé aux autres. Par contre, du fait de la couleur et de la finesse du legging, je vous déconseille de faire les jambes avec ça parce que c'est un petit peu transparent pour le coup. Mais sinon, pour faire le haut du corps, il n'y a aucun souci. Comme l'autre, il a une petite rainure au niveau des fesses aussi. Et vous avez une poche ici au niveau de la taille. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, vous avez une petite poche ici pour ceux qui veulent mettre leurs cartes, leurs clés, etc. à la salle de sport. Donc voilà, celui-là, je l'adore. En fait, j'adore le fait que la couleur soit claire et tout. Alors ok, je ne le mets pas pour les jambes, mais en tout cas, pour faire le haut du corps, il n'y a pas de souci. Ensuite, troisième legging de chez Gymshark. Oui, encore un legging, on ne s'arrête pas. Donc j'ai pris celui-là. Je l'ai aussi pas en pantacourt, mais en cycliste. Donc voilà, je savais que je ne prenais pas de risque. Je l'ai en cycliste, donc je l'ai pris en legging noir, tout simple, parce que le noir, ça passe toujours. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez faire les leg day, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, il n'y a pas de souci. Comme d'hab, ça sert bien à la taille. Pour info, je prends des tailles S pour tous mes leggings chez Gymshark, que ce soit en sèche ou en prise de masse, parce que du coup, là, je suis en prise de masse. Mes leggings, ils sont bien... Voilà, on est bien dedans, quoi. Et en sèche, ils sont un tout petit peu plus grands, mais c'est pas grave. Comme ça, je peux les porter toute l'année, en fait. Donc voilà pour ce legging-là. Ensuite, un autre legging de chez Gymshark. J'ai pris celui-ci. Honnêtement, je le trouve super beau. Je crois que c'est un Adapt Slimless, Animal Slimless, quelque chose comme ça. Je l'adore. Il ressemble beaucoup à celui que j'ai en bleu clair et que j'ai également en noir. C'est la même chose au niveau de la matière. C'est juste l'imprimé qui change. La petite rainure au niveau des fesses. Et voilà. Super confort. Vous pouvez y aller. Vous pouvez faire n'importe quel entraînement avec. C'est validé, recommandé. Alors ok, c'est vrai que les leggings Gymshark, ils ont un certain prix, je vous l'accorde. Pour le coup, moi je les ai pris en solde. En général, quand ils font des soldes, elles sont pas mal du tout. Donc voilà, moi j'ai pris tout ça en solde et je les ai pas payé plus de 30 euros, en tout cas le legging.
Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, celui-là, moi c'est un petit coup de cœur, je l'adore. Je kiffe les imprimés, voilà. Dernier achat de chez Gymshark, j'ai pris un short noir. Je ne mets pas souvent des shorts, mais quand l'été, le printemps et tout arrive, j'aime bien. Donc voilà, j'ai pris celui-là. C'est une... comment dire... j'ai un trou de mémoire. Je l'ai en fait en legging gris, donc voilà, et celui-là c'est la coupe short. Donc au niveau de la matière, on est sur une top matière, vous pouvez y aller, c'est pareil. Taille S comme d'habitude, ça sert pas trop, parce qu'en fait certains shorts serrent énormément ici au niveau des cuisses, et je trouve que c'est pas du tout avantageux, ce qui n'est pas du tout le cas avec celui-là. Donc voilà, je valide, je fais mes entraînements jambes aussi avec, et il n'y a aucun souci. Et du coup, dernier achat de chez Gymshark, c'est cette brassière que je porte sur moi. Donc voilà, c'est une brassière maintien léger à moyen. Moi, c'est ce que je porte parce que voilà, j'ai pas énormément de poitrine, donc il n'y a pas de souci d'impact en ce qui me concerne. Les bretelles sont plutôt fines aussi, ça j'apprécie. Il y a un bon maintien quand même, mais par contre, si vous avez une très grosse poitrine, honnêtement, vaut mieux prendre les brassières à maintien fort, c'est-à-dire avec des grosses bretelles. Mais sinon, voilà, j'adore cette brassière, je la trouve trop belle. Vous avez le dos qui est croisé, comme ça. Et voilà, j'adore, franchement, comme d'hab, Gymshark, moi, c'est voilà, ma marque préférée de vêtements de sport. Je vous en avais déjà parlé. On va passer à la commande Asos. Donc chez Asos, j'ai trouvé des petites pépites aussi. Donc on va commencer par un ensemble que j'ai acheté, un ensemble de la marque Puma. Donc vous avez ce haut-là, dans un premier temps, que je trouve super beau. Il a une matière un peu brillante en fait, c'est un noir brillant un peu. Super confortable, il n'y a pas de souci au niveau de la transpiration, c'est des dry fit en fait. Donc voilà, moi j'ai trouvé le modèle super beau, je suis fan des tenues noires et c'est vrai que j'avais pas quelque chose de clinquant comme ça, un peu brillant. Donc j'aime bien, j'ai pris le short qui va avec. Pareil que pour Gymshark, ce short là, pareil, il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose qui va vous serrer au niveau des cuisses ou quoi. C'est super léger à porter, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire les jambes. Comme d'habitude, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Ensuite, j'ai pris chez Asos un legging de chez Puma. Franchement, celui-là, j'avais craqué dessus, ça fait un moment, je ne vais pas vous mentir. Je crois que c'était de la collection de Pamela Reif. Elle avait fait pas mal de leggings dans ce genre-là. Et à chaque fois, ils étaient en rupture de stock en ma taille, donc j'étais dégoûtée. Donc quand j'ai vu celui-là... avec ma taille, franchement j'ai sauté dessus, j'ai même pas regardé le prix, j'ai pris. Après voilà, il est vrai que c'est des leggings plutôt, comment dire, plutôt fins. J'irai pas faire les jambes avec parce que même en ayant pris une taille S, au niveau de la taille ça sert pas énormément. Et du coup ça a tendance à baisser en plus d'être fin avec de la maille comme ça. Mais honnêtement le modèle est top, je trouve trop beau, trop confort pour faire le haut du corps, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour ce legging Puma. Et dernier achat de chez Asos, bah je le porte sur moi, donc je vais me lever et je vais vous le montrer. Attendez deux minutes. C'est ce legging là. Donc voilà, c'est un Reebok. Je suis fan de ce legging, je trouve que l'imprimé est beaucoup trop beau. Voilà, je trouve qu'il est super original. Comme disent mes abonnés, il me ressemble aussi. Il est super confort, la matière elle est top, elle est épaisse, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Que ce soit en prise de masse ou en sèche, il me tient très bien. Donc voilà, je vais vous mettre de toute façon des close-up. Mais ce legging là, je l'adore. Vous avez été plusieurs aussi à me poser des questions à ce niveau. Donc voilà tout pour mes achats de chez Asos. Je vais vous montrer maintenant mes achats de chez Zara. Donc j'avais acheté deux choses. Donc chez Zara, j'avais acheté deux choses. Donc j'avais acheté deux sweats tout simples. Mais moi j'adore les basiques. Donc c'est des gros sweats comme ça que j'ai pris en taille L pour que ce soit bien large. Donc voilà, il y a une capuche en plus, ils sont plutôt bien épais. Moi j'adore mettre des trucs comme ça super loose. Je ne l'ai pas pris en ma taille parce que voilà, j'adore que ce soit bien oversize. Et donc voilà, je ne l'avais pas payé très cher, je crois 13 ou 14 euros, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon les prix et les liens en barre d'infos, ça bouge pas. Et je l'ai pris également en gris. Moi j'adore ce genre de trucs, j'en cherchais, je sais qu'il y en avait chez H&M, mais... il n'y avait pas ma taille quand je suis partie chez H&M, du coup bah, je me suis rabattue chez Zara.
Et enfin, on va passer à la dernière marque que, pour le coup, je ne connais pas du tout, enfin, que je ne connaissais pas du tout, c'est Copacabana Fit. J'avais participé à un concours sur Instagram pour gagner un legging de la marque. Et j'ai gagné ce concours, j'ai bien reçu le legging. Et voilà, il est juste trop beau. Bon, il est très flashy, je pense que ça pourrait pas plaire à tout le monde. Mais honnêtement, voilà, je le trouve trop beau. Au niveau de la matière, vous voyez comment c'est un peu gaufré. C'est le genre de matière qui ne marque pas la cellulite en fait, ou quoi, pour celles qui en ont et qui veulent le masquer. Il est plutôt épais, honnêtement je ne l'ai pas encore testé en entraînement, mais j'ai hâte de le tester pour voir ce que ça donne, et voilà. Moi je suis plutôt contente, en tout cas la matière a l'air très qualitative, il a l'air très épais. Étant donné que je l'ai gagné, je ne pourrai pas vous dire le prix tout de suite, donc j'irai chercher sur le site et je vous mettrai le lien en barre d'infos avec le prix. Au niveau de la taille, bah, j'ai pris ma taille habituelle qui est du S. Il n'y a pas de souci puisque je l'ai essayé. Voilà tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que je vous montre pas souvent mes fringues de sport et pourtant j'en achète énormément tout le temps. J'ai une tonne de fringues de sport, si vous voulez que je vous fasse un dressing tour de mes fringues de sport, ce serait avec grand plaisir. Ça prendra du temps, la vidéo prendra 2 heures je pense, mais si vous le voulez je vous le ferai, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo, parce que si vous aimez ce genre de vidéo, on va recommencer, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.